Welcome, mesdames et messieurs, nous comptons rejoindre encore une fois dans une nouvelle vidéo ça qui nous porte pour toutes fanatiques, toutes amis, tous compatriotes nous et n'a profité le temps pour nous dire un grand merci à tout le monde, tout citoyen qui pas jamais lagué nous, qui toujours été connecté sur channel ça TV la caille haiti.com. C'est avec même plaisir nous rejoindre dans une nouvelle vidéo ça. Nouvelle cap dominé actualité a, c'est dossier insécurité a et opération tornade que la police a mené surtout dans la boule 12 dans fief en chef gang Timakak ben qui fait saut assassiné 4 policiers là ben après dernier et des autres ça que Timakak lui-même li posé dans figure la police Franz Elbe qui c'est DGPNH là monsieur pas baisser les bras monsieur pas suspendre et bien motiver policiers pour voir comment yo capable fini avec un dossier Timakak ça qui a fait un pile parler de lui, divers acteurs politiques prennent position yo pour yo critiquer DGPNH là parce que c'est pas possible vite retourner pour policier a tomber comme ça et ses chefs gang cap touyer yo alors que opération a mené résultat pas jambay et ben France Elbe qui était frappé puis la tête et monsieur ben attaquer Timakak jusqu'au bout et nous allons inviter au quel détail. Gagne tout ancien colonel Imler Rebu qui lui-même fait une déclaration là que nous allons inviter ou attendre dans la vidéo ça, mesdames et messieurs, côté colonel là réagit ben, sous le dossier mercenaires russes qui t'a sous sol pays d'Haïti ou bien qui t'a gagné pour entrer dans le pays là, venir aider Ariel Henry avec dossier insécurité. Ben, selon le colonel Imler Rebu, les États-Unis ont même estomaqué, ils ont fâché, dédoublé. Parce que non Haïti figuré dans l'ISA qui lui même prend la rue, et bien ça qui n'a pas de connaît, mesdames et messieurs, et bien États-Unis qui déjà pas danser collé avec un pays là aussi, déjà commencé à mettre Ariel Henry dans le petit soulier, Ariel qui a un problème, et bien colonel Imler Rebu qui lui même voit un conseil à Ariel là, c'est pour profiter tant ça, donc pour parler avec l'autorité américaine ou bien faire une adresse à la nation. Mais pour parler à peuple là pour faire qu'on est Haïti pas gain rien pour lui avec un dossier et donc mercenaires russes qui t'a gain pour entrer dans le pays d'Haïti. L'autre nouvelle nous côté pour ancien premier ministre pays d'Haïti qui c'est Jean-Michel et donc Lapin qui lui-même et se fait gros déclaration là sur dossier insécurité là dossier la police cap victime en bas mes bandits dossier et donc et kidnapping tout cap fait et de faire en pays depuis quelques temps là nous qui sont kidnapping là ils viennent tourner un business tellement de ces kidnapping ça lui-même li gen cob là-dedans et nèg ou pa ta pi pense ben c'est eux même qui mettent kidnapping ça et blanc pas innocent tout selon ancien premier ministre pays que nous va inviter au temps des interventions li analyse li sous dossier insécurité a. Sur TV la caille haiti.com avec même plaisir ça n'a dit ou garder vidéo ça jusqu'à ce qu'elle finit parce que dans pile bagaille qui ou pas de rater dans dossier insécurité à dans dossier policier pour qu'elle mourir il n'est pas ta pi penser en dedans au commandement la police là yo impliqué dans divers cas mais qui fait un côté policier à mourir en bas mes gang et n'est pas innocent. Nous va inviter au quel détail mesdames et messieurs vous regardez vidéo jusqu'à la fin n'a tout et bonjour colonel Imler Rebu. Bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Bonjour à toute l'équipe là, ma forme, Dieu merci. Et je salue tout le monde qui a écouté. Et depuis hier, je me détends des informations. Je me suggéré que Dr. Ariel Henry a pris une position très rapide et publique sous question. Mm-hmm. Même s'il te répond une question à des officiels, il faut démarquer le bail ça très rapidement. Très bien. Et moi-même, m'a posé plusieurs questions. Est-ce que c'est vrai, dans le document, il dit, il y a une fuite qui fait. Écoutez bien, Jean-Marc là, oui. Dans le document, il dit, il y a une fuite qui fait. Ce n'est pas des documents qui concernent Haïti seulement. Moi, j'entendais qu'il y a une pile prise de position en Europe qui a fait, parce qu'il y a des parties dans le document qui traitait de difficultés que l'armée ukrainienne a confrontées et perspectives que l'OTAN a fait face à des problèmes liés à une rareté de munitions dans les jours à venir. Moi, Corée du Sud réagit sur le tout. Et le président Zelensky réagit sur le tout. Donc, c'est bagaille de grandes personnes qui ont parlé. Maintenant, comment faire
en dans document ça yo qui gen fuit ça non Haïti ta vinn trouver là. Premièrement, moi ouais, c'est un acte de folie totale que docteur Ariel Henry ta al nan tractation avec et groupe Wagner. Ouais. Moi-même, je crois à 95% son bagage impossible. Parce que le docteur Ariel Henry admet de reconnaître et tout le monde connaît que ce petit garçon est madame Lalimlié pour le gouvernement américain. Donc, s'il t'a fait un bagage comme ça, il t'a fait un acte de folie, c'est oublié, il t'a oublié, ça que passe l'autre camarade là, qui t'a rendu visite en Turquie. En Turquie. Et qui a reçu l'aide de créance. Ambassadeur Rissalel de André. Très bien. Donc c'est un acte suicidaire. Et d'autant que, moi pas quoi le gouvernement haïtien a assez l'argent pour taper Wagner pour intervenir en Haïti. Très bien. Donc, si réalité n'a pas existé, comment faire non Haïti vient citer dans le là? Premièrement, dans le cadre d'une provocation que nous en Haïti a fait, moi t'ai rappelé homme t'ai dit que pas oublier que américains sont mauvais garçons. Ils pas occuper femme ni, ils pas prendre soin, ils pas ba l'affection, ils pas ba l'argent, mais ils très violent et la fait jalousie. Ouais. Nous rappelons grosse violence qui était faite, les jalousies t'a fait pour voyager en Turquie qui en bas la définie passer. Très bien. Donc m'pa quoi docteur qui compte tout ba très bien, ça vient gros folie t'a prendre tête lui. Ou bien qu'on acte de bravo, ou tout seul ouverture du Jean-Jacques Dessalines, ça a monté pour la faire ça. Maintenant, si nous effacer hypothèse, provocation va exister, pour qui ça, yon fourré nos Haïti la donne, là nous tombons dans le deuxième proverbe qui dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est bien. Parce que si bah, elle va exister, et puis pour la vin paraître à hauteur niveau ça, parce que dossier 4 de classe dans le Pentagone qui a fait vite, c'est pas Haïti Moun. Non. Donc, s'il va exister, et puis vous l'avez non là-dedans. Moi-même, j'ai un petit genre. Donc, c'est un mauvais signal. Et j'ai un petit docteur, il faut apprendre la médecine. Ouais. Il faut apprendre la médecine parce que si elle n'a pas fait, et puis un de gros bagages qui a parlé, il y a l'avez non là-dedans. Ouais. Et c'est quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Très bien. Donc, nous avons trouvé un pétré pour nous sortir. Pendant que ça arrive, tout font embrasser. Très bien. Oui, mais jusque-là, il n'y a pas encore de note officielle, sinon peut-être en confidence que des postes du gouvernement, ou bien peut-être Ariel Henry personnellement, fait à Miami Herald qui relayait que les démenti, donc l'information tout à fait, que le gouvernement haïtien a contacté donc, le groupe Wagner, mais il n'y a pas de note officielle jusqu'à présent. Non, moi-même quand je me déprends nouvelle là, je me interdis publiquement. Je me dis carrément son bail pour être très rapidement. Et bien, docteur Ariel Henry seulement, dans trois mounes. Donc, docteur, ministre de la justice là, avec ministre de la défense. Défense, très bien. Pour être fait une prise de position publique et au nom du gouvernement haïtien pour dire, ben, on va faire ça tout de suite. De façon, si c'est de rage à accuser, vous n'avez pas besoin de mourir pour ça. Très bien. Ok. Nous avons débattu à l'heure sur la question de l'insécurité. Nous avons essayé de garder le dossier d'insécurité. Il y a des gens qui croient que, en fait, moi-même, je crois tout, que si on parle de l'insécurité en Haïti, je dis, est-ce qu'on peut parler de l'industrie de l'insécurité? Est-ce que là, il y a eu une industrie là? C'est évident. C'est évident, c'est une des plus gros business qui donc, en Haïti. On peut parler de l'industrie de l'insécurité en Haïti. Oui, c'est évident, dans plusieurs temps. Son gros commerce, un gros business qui a passé là. Très bien. Du grand pile munitions avec ZAM qui a acheté. Un pile l'argent. Donc, bon monde qui a vendu. Bon activité acheté et vendu. Correct. Hein? N'a pas acheté qui boit, n'a pas acheté dans les États-Unis. Très bien. Donc, nous avons acheté en US. Très bien. Or, nous avons un marché US qui est saturé. Très bien. Ça veut dire que le kidnapping est fait, il a réclamé un pile d'argent US. Donc, autant que les gaz ont besoin de dollars US, il a commandé des gaz, c'est autant que les gens
et qui n'a question insécurité a besoin d'argent US pour commander l'argent, pour commander les armes. Maintenant qu'on y a fortement dit dans l'autre étage, qui boit l'argent, ça a brassé. Correct. Donc, c'est pas bah, tout le monde qui est là. Ouais. Et, DCPJ comme ça, et son principe lié, dès qu'il y a activité criminelle, il faut suivre le filon de l'argent. Correct, c'est clair. Il faut suivre le filon de l'argent, et si on suit l'argent bien, la peine de tout côté, bah, la passe. Très bien. Donc, c'est pas bah, n'est-ce pas pour dire que ça n'a pas de cap pour tuer, ou assez de n'est-ce pas dans l'avant. Oui. Je vais ça en langage technique de chez Akanon. Chez Akanon. Mais c'est pas mettre business. Très bien. Au contraire, vous voyez, même pour le cap mourir, pour business capable de continuer. Pour le cap continuer, très bien. Parce que plus il y a tombé, il y a perdu des âmes. Ou pas avec qui facilité de tirer cartouche. Facile. Oh, une cartouche tombe est précieux, il coûte cher. Très bien. Donc si n'est pas prendre drogue pour tirer cartouche des vendeurs pour industrie à continuer vendre mon a chercher acheter business a ralenti on va le business mais la colonel il me l'a dit si nous entendons nous que c'est une industrie pour créer une industrie ça veut dire c'est bon bagaille je dis à demain non non bah, même tout ça louco je vous résous le problème ça s'enlève vous monter enlève vous monter. C'est à ça, c'est pour prendre pour aller dans le 46e étage. Et papa, bah ouais, dans la RIA, c'est manifestation qui a passé en l'air. Très bien. Et je vous montre dans l'air, après problème, là, rété quand on ballon pour éclater. Très bien. C'est un bagage qui est à la fois économique et politique. Et politique, très bien. Grosse série d'argent économique qui investit son pile comme dans le politique. Bah, et. Filon politique a commencé à écraser parce que l'État compile les gladiateurs. Parce que les gens qui ont investi dans l'affaire politique, là, ils ont investi dans les gens sérieux. Ils ont investi dans des bandits. Bien. Bandits à cravate. Bien. Donc ces bandits à cravate qui ont l'argent, qui ont investi sous bandits qui ont osé pour qu'ils deviennent députés, sénateurs, présidents. Très bien. Pour utiliser au pied devant pour faire lavage propre. Donc, son, même par politique, là, sont industriels, élections sont industriels. Également, oui. Ou pas, ouais, ou pas, ouais, trois camounes, ouais, qui étaient passés dans l'élection, ou t'es, ouais, c'est des mouns anormales, ouais. Très bien. Ou pas, ouais, trois calades, ouais, indexés. C'est vrai. Combien de qui étaient dans la structure politique, là? Bon, Louko. Moi-même toujours d'accord. Tant que le système n'a pas ça, même caporal, m'a jamais en Haïti. Oui, oui. Côté oui. Mouvement dans l'agence à yo, oui. M'a le bail n'est bien, manger, ou bail. Donc son nègre a investi. Très bien. Si nègre a investi, il va le retour sur investissement. Très bien. Donc, c'est quand on système mafia qui est mafiosisé système politique là. Comme système politique là, pas caoutchouc et aussi. Comme la fête dans le secteur bandit. Correct. Correct. Jusqu'à ce qu'il y ait réouvert l'industrie encore, mais le pape campé. Mais il y a un commerce en insécurité. C'est le change. Mais c'est ça, nous. Il faut suivre le filon de l'argent. Justement. Parce que, normalement. C'est le change. Les gars qui vont comme kidnapping, il faut le vendre là. J'ai une économie là, Kounia. Il faut tout. A fermé dans le pays. Parce que si ça qu'un le système financier, on va regarder du point de vue économie basée, fonctionner qui ça? À partir de libre mouvement des biens et des personnes. Bien. Ça veut dire que les gens qui font tomate dans la Tibonite, qui font du RIA, dès qu'ils vont entrer dans le capital, ils peuvent des produits là sous le marché. Sans problème. Écolo. Il va produire pas même capsule même. Colo. Oui. Mais gon bagay moins ouais et responsable pays en pas parler, technicien en matière de sécurité pas parler. C'est question la mer. Pour ça la mer a représenté dans économie dans sécurité pays. Je dis à la mer non mais qui est lié littoral là. M'a parlé là de Matisse en rivé. Et rivez mon rive.
Bon, vous avez dit que Saint-Marc presque. Mais disons-moi, oui. Non, mais qui est-ce l'homme à Non, mais il ne faut pas oublier. L'homme a son commerce extrêmement important, mais là, il fonctionne sous utilisation. Par exemple, l'offre de tout littoral là, activité maritime. On dit on prend activité exploiter la mer. Ouais bagay et un pile monde bagay aucun bagay sérieux qui a peur du point de vue exploitation la mer. D'abord comme voie de déplacement, ensuite comme structure et de pêche, zone activité ça fait menette. Et nous comptons très bien. Président estime et fait évaluation. Tout littoral et de Matissan en passant par zone département de l'agriculture pour aller finir et dans le cabaret Almori. Nous tous connaissons que c'est des zones de très grande richesse souterraine. Oui. Et ces raisons, ça que si des soleils côté de l'île, pas jamais amélioré. C'est parce que son pile pauvre qui chie dans son masque là. Et vous faites ouais que c'est pas très tellement gain. Donc c'est pas mal qui fait au hasard et c'est pas d'aujourd'hui. Et il y a une explication souterraine qui gagne dans la chute du président Duvalier, c'est ça. Et c'est même explication qui gagne pour le président estimé tout. Donc, même la pauvreté d'Haïti, c'est on va y aller dans une guerre psychologique. Ouais. C'est prêcher le faux pour couvrir le vrai. Le vrai. Donc, et l'on va regarder. Qualité haïtien seulement son potentiel économique énorme lié. C'est vrai. Mais ou pas, ouais, depuis nous fin et passé 15-16 ans, n'a formé un petit monde. Ou pas, ouais, Canada toujours vient avec Kribli, il passe. Il ramasse tout ça que produit, il ramasse la lavelle, ni les États-Unis. Ouais. Ou pas, ouais, Saint-Domingue passe, mais il ramasse tout travail qui est capable de travailler. Regarde tout building qui est monté. Saint-Domingue, qui est-ce qui a construit? Haïtien, oui. Haïtien. Donc, ça a un potentiel et investissement du point de vue de manœuvre, de force de travail. Ils ont ramassé ni dans le niveau cerveau, ni dans le niveau bras. Donc, et pour qui ça? Et quand le député a posé problème, non? Parce qu'il n'y a aucune activité ou entreprendre dans une zone essentielle. Pour aller vers le développement. Eh bien. Donc, c'est une façon pour toujours qu'un bon dans la situation, dans la théorie pauvreté ou pauvre, donc, ou attendre pour le monde vienne faire un bail pour ou bien demander. Eh bien. Donc, c'est donc, pas de bail qui fait de manière innocente. Voilà, et je dis en faut que nous clair pour nous. Lecture à ben nous que l'un, mais à littoral, là, c'est pas non, mais l'État lié actuellement. Non, c'est l'inneutralisé. Li neutraliser son espace yo kembe pour les pour en projection pour le futur. Très bien. Merci en pile colonel Imlarebi, merci en pile. Bonsoir. Bonsoir ma salue panel là et ma salue GTP à distance. Et dès matin effectivement m'a prendre compte que actualité en général, quel est le niveau Magique 9, quel est le niveau Caraïbe, qui est la taille aujourd'hui à là, lui attaquer le problème là, que tout pays, toute société a traversé. Donc, moi, quand j'ai analysé, colonel Imléo du matin, comme spécialiste en affaires de sécurité, moi, j'entends des GPP, j'entends des Notoupla, j'entends des Marco, qui lui-même posait des interrogations. Donc, et oui, effectivement, moi, j'ai des réflexions, j'aime des rendre public, et dernière réflexion, je me dis, je n'ai pas été écouté. Donc, par rapport à la dernière réflexion, à la première réflexion que j'ai fait, côté que, c'était, bye. Une déclaration qui limite un chemin fait noir que tout le pays a traversé. Ok, premier ministre. Donc, qui allait dans la même ligne de réflexion que Marco a fait votre cas. Vous n'avez pas été. Est-ce que la police est capable ou pas capable? Est-ce que la police est capable ou bien pas capable?
faut que nous rentrions dans ça, nous remet dans l'organisation administrative de la police. La police besoin d'une organisation administrative, il a besoin d'une touche administrative. Il a besoin aujourd'hui, il a besoin depuis hier. Et depuis 2018-2019, il était positionné par rapport à président Jovenel Moïse. Et c'était positionné tout par rapport à la police développer cette clé. L'organisation administrative où la police besoin, pour être capable de mettre la police là en état pour faire face à la situation. Mettez la police en état pour faire face à la situation, pas de dire seulement ces blindés, ces armes, ces gilets pas mal. Ça veut dire tout, assurance médicale pour les policiers. Ça veut dire tout, assurance vie pour les policiers. Parce que ce n'est pas normal, les policiers tombés ou bien blessés sur le champ de bataille, c'est presque c'est demander, la demander pour la réunion médicaux. Ce n'est pas normal, les policiers mourir sur le champ de bataille, c'est 3-4 mois après, il a plongé 300 000 gouttes, 400 000 gouttes dans une famille qui peut-être pourra le séparer par 3, 4, 5 000. C'est ça la réalité. Donc, nous parlons tout des aspects sociologiques, questions, oui, c'est ça lié. Donc, au niveau ça, pour pouvoir arriver pour que tout administratif dans la police, et bien ça, on connaît est-ce qu'il est capable ou pas. Le deuxième niveau, il faut que tout administratif, tout, j'aime bien dire la proposition, là, au niveau de visionnel, là, j'ai dit là. Donc, moment venu, pour le ministère de la ouvert même, pour retirer le ministère intérieur dans l'affaire accord politique, pour retirer le ministère de justice dans l'affaire accord politique, pour retirer le secrétaire d'État à la sécurité publique dans l'affaire politique. C'est ce genre qui est capable de faire appel à des gens qui ont des expériences. Je profite de quoi là pour dire aux spécialistes. Pour répondre à l'appel. Pour mettre prêt pour répondre à l'appel. Monsieur Mario Anderson, répondez à l'appel. Colonel Imerémi, répondez à l'appel. Michel Joseph, répondez à l'appel. Calais Boucher, répondez à l'appel. Ben, c'est eux-mêmes qui ont expérience, qui comprennent mieux, qui là, pour être capable de porter une réponse. À situation à vivre là. Une situation de guerre, j'aime dire là, pour gagner la guerre, pour gagner une meilleure stratégie avec les meilleurs ressources. Maintenant, et PM Lapin, on parle de réorganisation administrative, mais par rapport avec Tite Texan, il y a des gens qui vont te poser des questions tout à l'heure, je n'ai pas été écouté. Pas qui est-ce? Qui est-ce qui part tant d'eau? Est-ce que ce n'est pas notre premier ministre? Ou bien est-ce que c'est une nouvelle proposition que vous faites là et face à gouvernement qu'il a? C'est par rapport à une nouvelle proposition que j'ai été fait dans une première réflexion et 3-4 semaines après, pas d'aucune réponse. Et à ce moment-là, j'ai fait une deuxième réflexion pour me dire que je n'ai pas été écouté. Et en tout cas, de l'homme de faire proposition, à l'homme qui a besoin d'effectuer, nous connaissons combien de monde qui mourit, combien de monde qui est kidnappé, combien de monde qui est payé, combien de monde qui est décapitalisé. Donc, c'est par rapport à la proposition que nous avons fait, que je dis, je n'ai pas été écouté. PM Lapin. Papa, nous avons une question, PM, non? Oui, PM Lapin. Pas de problème. Alors, moi, une question, président. PM Lapin, et tout le monde connaît dans le pays, et. Donc, on était aux commandes. Premier ministre, en qualité de premier ministre, de chef CSPN, c'est-à-dire on était joué un rôle important dans la structure et sécurité du pays. D'ailleurs, au niveau du CSPN, c'est là où planifié, où réfléchi des questions stratégiques. Ouais, au niveau du CSPN.
c'est là où planifier en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire, de la criminalité, donc que pays a connaît, c'est espace organe, il réfléchit, il pense stratégiquement, il définit des plans, bien évidemment, en fonction des orientations de politique pénale, en fonction des politiques sécuritaires que le gouvernement a, pour avancer, pour adapter. Donc maintenant, on dit que vous n'avez pas été écouté maintenant par qui, d'ailleurs, où t'es gagné, où t'es dans position comme si pour prendre décision, pour agir, mais pas comme si faire proposition, et PM Lapin. Qui est ce monde qui n'a pas là qui fait que la situation vient dégrader comme ça? Bon, moi je pense que par rapport à l'excuse que nous sommes faits, donc non pas assez convaincant, ça veut dire que ça ou pas, c'est dit que je n'ai pas été écouté, que c'est la deuxième réflexion qu'elle fait 4 semaines après de nos propositions de sortie de crise qu'elle nous a fait avec le gouvernement ça. Ah, donc, avec le gouvernement ça. Moi, je recommande. Moi, je recommande. Donc, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir avec passage comme de le ministre. Et, je permets de faire un petit bac sur ça. Moi, je dis que, oui, effectivement, qui ont été aux commandes et chassés SVN. À un moment, l'MD prend responsabilité à mettre nos pays lock. Moi, j'ai souhaité que tout le monde découvre ça. Et 90 jours après, avec une dynamique et technique, administrative, nous sommes arrivés à faire l'école de tourner l'ouvert. Nous sommes arrivés à faire bon continuer. Et nous sommes arrivés à faire tout le monde sécuriser dans tout le pays à des points à l'autre. Deuxième bagage qu'on avance là, on parle de planification politique pénale au niveau de CSPN et plan de sécurité et stratégie de la police. Non, CSPN, je vais répéter encore, CSPN n'a pas de responsabilité ça. C'est un de responsabilité d'orientation. Vous avez une responsabilité d'imposition. J'ai tout pour nous comprendre que et stratégie de la police ou bien intervention de la police ou autre, c'est CSPN qui dit qu'il est pour faire là, qu'il est pour. Je vais dire encore que je dis déjà dans le microscope et je ne sais pas de qui CSPN a parlé, mais CSPN pas maintenant. Qui juge que par orientation des politiques publiques en matière de présence de la police pour qu'il accompagne la population de 4h du matin et jusqu'à 11h minuit et du soir. Donc, pas de CSPN qui capable de passer au directeur général l'ordre qu'il est pour aller et intervenir ou pas dans des zones qui présentent un danger pour la population. C'est responsabilité de la police. Donc, aucun directeur général pas dû accepter un bail comme ça, parce que la police là, sont la police qui est là pour tout le monde. Là, il y a besoin hier, il y a besoin jeudi, et il y a besoin de la police demain. PM Lapin, m'pas connaissez, moi qui mal comprendre ça. Et là, dans la loi sur la police, là, et première section des compétences du conseil, CSPN, il dit que dans l'article 12, le conseil supérieur de la police nationale créé par la présente loi est l'organe compétent pour définir la politique et les stratégies nationales en tout ce qui concerne les missions de la police nationale relevant de l'autorité du ministère de la Justice. Il joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la police, de la politique d'action de la police. Alors, peut-être dit ça, c'est en me référant à cette loi. Je ne connais pas, c'est moi qui mal comprenne, par rapport à ça, me dit. Non, là, on entre dans le fonctionnement de la police en général. Là, nous ne pouvons pas dire que c'est dans le CSPN. Qui... C'est,
Ah si, tout ça c'est le CSPN, il parle et PM. Ou dit samedi, ou pas bon, pas de problème, mais je parle de ça, ça la loi dit. Ça m'a été li, donc m'a eu li l'bou encore. Bakon si m'trompe moi. Non, non, d'accord. Nous d'accord, nous mettons d'accord. La loi dit qui j'en que pour la police a fonctionné. Qui j'en lui-même a fonctionné. Là, pas de discussion là-dedans. Mm-hmm. Mais là, on a parlé de la police, on a parlé de OCSPN qui a fait face à une situation qui diminue, qui fait au coup de vous, qui fait héritage de mauvaise gouvernance. Sur ce bien-là, c'est parce que pas appliqué depuis longtemps que la police a été créée et qui fait je dis là, l'arrivée, la situation que nous y a là. C'est parce que les gens de la police, le ministre de justice, le premier ministre, le même, le même pour aucun déterminé qui n'est pas arrivé effectivement à appliquer politique publique en matière de sécurité. Et ça nous dit, qui dit au niveau de le ministre? 6 mois. Mm-hmm. Donc vous pensez que ça dit à la loi, en 6 mois, au ministre qui cherche à faire, qui dit au niveau de la police? 3 ans, qui dit au niveau le ministre de justice? Un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Mm-hmm. Donc, il y a une exception, effectivement, qui fait 5 ans comme ministre. Mais ces derniers temps, nous ne sommes pas jamais là. Donc, ça, c'est que nos lois demandent tant d'habitation, demandent l'organisation, demandent planification. Donc, dans l'état que nous sommes là, même dans le pays de l'autre, en 6 mois, avec le premier ministre, côté généralement côté, c'est ça nous sommes vivants dans le pays, mais pas quoi que n'a jamais arrivé rentrer en loi pour nous créer des véritables structures de sécurité avec une vision d'avenir. Mais PM Lapin, comme vous êtes premier ministre, loi ou pas, est-ce que il y a des fonctions que loi Bali? Et non, c'est l'on sort dit là. Consultatif. Oui. Parce que nous tout à l'heure, c'est consultation qui a défini la stratégie. Pas tout texte là net. Pas tout texte là net. Ça va aller à la fin là. Donc maintenant, si on va jamais appliquer là, est-ce qu'une carte dit son problème d'organisation réellement que la police l'a gagné? Parce qu'on appelait de la en faveur de réorganisation administrative de la police. Est-ce que le problème n'est pas plus profond et que ça ou même ou proposer là comme. Comme solution éventuelle pour PM Lapin. Ok. Et j'aime ça de ce qu'on est là, mon frère. L'on a gardé effectivement depuis la police là, créée avec des lois ça, ou des articles qui ont la loi ça. Effectivement, de toujours faire face à des mouvements politiques. C'est ça la réalité à y. Donc, à ce moment-là, à chaque fois, et on a une mouvance politique, tantôt les droites, tantôt les gauches, tantôt les droites gauches tout. Donc à ce moment, ça va jamais permettre qu'effectivement, on crée des structures de sécurité en dehors de mouvance politique. L'on parle de l'organisation administrative et de la police. Moi-même, c'est un amour d'une cardio. Et toutes les, depuis l'existence de la police, toutes les compétences administrative, pas jamais niveau directeur administratif dans la police. Mm-hmm. Des mondes qui font l'IMAGE, des mondes qui font l'HCCE, n'est pas jamais visé effectivement directeur administratif. Parce que chaque directeur vivi, il prend un commissaire qui va nous, qui n'a craint, il met le directeur administratif et n'a même fait tout le niveau comptable. Des gens qui ont 25-30 ans comme comptable dans la police, qui fait l'IMAGE. Il te colloge dans la loi ici. Il te colloge dans la loi ici. Il fait une année. Il rentre comme comptable dans la police jusqu'à 20 comptables dans la police. Donc c'est ça, nous, l'organisation administrative. Donc, conférence budgétaire au niveau du ministère des Finances, c'est pour vous être sur l'espace des débats, par des comme pour l'institution développée. Conférence budgétaire au niveau du Parlement, c'est pour vous être lié. Donc je dis, au niveau de la police, là, l'on parle de réorganisation administrative, pour vous chercher des jeunes techniciens qui ont des formations et qui ont des métiers pour
yo vini gérer administrativement la police. Bon, wap jwenn compétence sa yo, yo la, yo nan ministère des finances, yo nan ministère de planification. Yo nan imprimatur a tout. Donc, c'est tout le bon nan, c'est ça que je dis. Alors, police, ou dimens, l'homme ou mec, ou bon qui nous fait avec Pierre Cauchy, tout autant, si le défaite fait là, ou pas essayer de blesser Pierre, la toujours été avec Pierre Cauchy jusqu'à ce que le monde. Donc, c'est ça la réalité. Et la police là, pendant qu'elle a parlé là. Ok. Maintenant, on faut aussi garder problème politique là, et Premier ministre, on va regarder que dans le texte que vous écrivez, où tu es proposé pour que gagner un gouvernement de crise avec des hommes et des femmes d'expérience de la gestion de la chose publique, mais qui animé tout de l'idéal du sentiment d'appartenance nationale. Étant donné que jodi an gen gouvernement ki la, et bon accord ki li accord 21 décembre, et que pas qu'on est, mais jusqu'à présent, pas quoi qu'on fait partie de accord ça, et c'est moun ki nan accord ki yo même a organisé ou pour faire replâtrage dans gouvernement, ou même forme de gouvernement ça a proposé, expérience qu'on te fait déjà à la tête gouvernement, ou pensez. Monsieur qui l'a cap dirigé ou pralé nan, il a pas accepté proposition là pour ta faire gouvernement que vous proposez, hein? Et c'est qui ça s'attaque à bail comme résultat, puisque ces résultats n'a cherché aujourd'hui, hein, pour moun yo circuler résoudre problème de sécurité, hein? Est-ce que vous pensez que proposition là, même si vous t'a appliqué, li ka bail résultat que n'a cherché, hein?